le salut de mon peuple, dit le Seigneur. Dans toutes les épreuves, s'il crie vers moi, je l'exaucerai. Je serai son Seigneur pour toujours. Rassemblés en son nom, maintenant, chers frères et sœurs, nous nous laissons marquer par la grâce du Seigneur à travers le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Voilà, bienvenue à vous tous, et particulièrement à nos frères et sœurs qui sont venus peut-être de près ou de loin, mais qui, avec joie, viennent célébrer cette Eucharistie avec nous. Oui, l'Eucharistie de ce 25e dimanche du temps ordinaire qui nous invite à une prière sincère, prière profonde, nous invite aussi à porter dans notre cœur Madame Émilienne Pascal et Madame Gigèle Beaumann qui nous ont quittés. L'Eucharistie, elle est célébrée aujourd'hui pour cette deux fêtes. Et célébrons avec joie, humilité, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que je péche en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Oh,
consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Des actions de grâce pour tous les hommes,
pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. S'attachera à l'un et méprisera l'autre.
vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Eh bien, cette phrase, je pense qu'elle est assez percutante. C'est pas la première fois, ni la deuxième fois qu'on l'entend. C'est la énième fois. Et je pense que ces paroles ne s'adressent pas uniquement à un petit cercle de gens. C'est-à-dire, ben voilà, ces paroles ne s'adressent pas uniquement aux croyants chrétiens que vous êtes. À mon avis, ces paroles ont des limites élargies. Et je dis, elles s'adressent à tous les hommes. Elles s'adressent à tous les hommes, sans exception. Mais cependant, il y a là, sur la table, Jésus, il a bien fait de mettre sur la table deux réalités. Des réalités, c'est une dualité en fait. Deux réalités, ben, au milieu desquelles ben, chacun de nous est positionné. On est positionné et chacun de nous subit ce qu'on appelle l'attraction de chaque élément ou de chaque situation. Ou, ben voilà, là, il y en a d'un côté la vertu de la confiance et de l'autre côté, eh bien, le poids de la malhonnêteté. Et au regard de ces deux réalités, Jésus met encore en avant donc ben, la réalité de Dieu et la réalité de ce qui est plus ou moins contraire à Dieu, c'est-à-dire l'argent sale ou la matière sale. Et donc, il dit, eh bien, quand on est entre les deux, ben, il faut faire un choix. Un choix radical, un choix vrai et un choix adapté. Et pourtant, je dirais que nous, on a de la chance. Au-delà de dire même on a de la chance, nous, on a de la grâce. La grâce nous est donnée d'être éclairés. La grâce nous est donnée d'être prudents. La grâce nous est donnée parce que nous bénéficions de la vertu, de la confiance. Eh bien, il a dit, celui qui est digne de confiance en une petite chose est digne de confiance dans des grandes choses. Et la confiance, elle se gagne. La confiance, elle se cultive. La confiance, elle s'entretient. Et si nous nous sommes ici rassemblés par notre baptême et par la démarche personnelle de Dieu, chacun de nous est vêtu déjà de cette dignité. Confiance. Dieu, il nous donne sa confiance. Et c'est à chacun de nous, par sa manière, en prenant conscience de ses limites, de sa petitesse, mais en même temps, en prenant conscience de sa dépendance à la grâce de Dieu, d'être à la hauteur de cette confiance, de l'entretenir, de l'embellir, de l'enrichir, et au bout du compte, pour partager la joie divine. Eh bien, Saint Paul nous dit dans sa lettre que, évidemment, pour que cela se réalise, pour que cela soit une véritable vie de bonheur pour chacun d'entre nous, il faut donc être dans la voie de cette confiance, dans l'océan, la profondeur de l'océan de cette confiance, il faut être des hommes et des femmes de prière. Jésus, il était un homme de prière, un homme de contemplation. Par la prière et la contemplation, il avait cette faculté humaine. On va laisser le côté divin, mais il avait la faculté humaine d'intégrer dans son cœur, dans son raisonnement, dans sa façon de vivre, et dans sa manière d'interagir avec la société, ce qui est propre à chaque personne, ce qui est propre à chaque milieu, et ce qui
est adaptable aux besoins de chaque personne vers qui il est appelé à aller. Et Jésus, en tant qu'homme parfait, il se donne comme un modèle de cet homme croyant, plein de confiance, mais qui se met en prière. La prière aussi, c'est une voie intrinsèque, une voie de noblesse qui nous permet de nous laisser guider par la prière sincère, la prière attentive, la prière profonde dans laquelle on s'abandonne. On a la faculté de se mettre à l'écoute de Dieu. Une écoute qui s'affranchit de tous les artefacts, une prière et une écoute attentive qui s'affranchit de tous les bruits de fond qui nous empêchent d'être véritablement dans la profondeur de la rencontre intime avec Dieu. Une prière profonde, une prière vraie, une prière qui nous envoie à la rencontre de Dieu nous permet de nous enrichir. Elle nous permet de nous poser des questions sur ce que nous sommes, sur ce que je suis, moi Paul, par rapport à Dieu lui-même, mais aussi par rapport à moi-même et par rapport aux autres. Et la prière profonde, c'est la porte ouverte vers la lumière de la bonté divine, la lumière de la bienveillance divine qui nous attire, car l'attraction de la bienveillance de Dieu, elle est plus forte, plus intense que toute autre attraction. Et si cette attraction, nous en prenons conscience qu'elle est autour de nous, nous serons capables de choisir entre la malhonnêteté, c'est-à-dire de choisir entre le bonheur qu'apporte le matériel et le bonheur que nous apporte la bienveillance et l'amour de Dieu. Peut-être en tant que personne humaine, on peut se dire la bienveillance et l'amour de Dieu. Évidemment, c'est une notion qui peut être quelque chose qui plane au-dessus de nous. On a du mal à la saisir, on a du mal à entrer dans cette dynamique. Et on se dit, et pourtant les effets, je ne les ressens pas. Mais les effets de la malhonnêteté que je peux, en tout cas, recevoir à travers le bien matériel, des fois, que ce bonheur que nous négocions par le contrat. Puisque ce que Jésus vient de nous raconter, à travers ce gestionnaire, évidemment, il a signé un contrat avec ce qu'il dit, les autres qui seront capables de l'accueillir lorsqu'il va être éjecté de son siège de gestionnaire. Évidemment, dans notre monde d'aujourd'hui, regardons autour de nous, dans les finances publiques, et même dans les finances de nos familles, les biens de nos familles, ou encore dans l'administration des biens de notre groupe, parfois, eh bien, on est attiré. On est attiré à modifier les choses. À modifier les choses en notre faveur, au détriment des autres. Eh bien, quand on parle des pays ou des nations qui sont pleinement corrompues, d'abord je commence par mon propre pays, le Mali, évidemment qui est un pays corrompu également, et on le voit clairement. Et ce qu'on dit chez nous, c'est la notion de surfacturation. Et c'est très clair, c'est exactement ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans l'évangile par le biais de ce gestionnaire. Nous, chez nous, on le voit clairement que ceux qui ont la charge de la gestion des affaires publiques, ben, on voit que s'il y a un projet de développement quelque part, le projet il coûte 1 milliard de francs CFA, eh bien la surfacturation, elle va à 2, 3, voire 4 milliards de francs CFA. Sauf qu'il n'y a qu'un seul milliard de francs CFA qui est injecté dans le projet. Et bien évidemment, c'est la copie conforme de ce que ce gestionnaire il vient de faire. Le reste, les 2 milliards ou les 3 milliards supplémentaires, ça part où? Eh bien, ils le partagent entre eux, comme ça, le jour où ils ne sont plus à la charge de la gestion, ils ont leurs amis à qui ils leur ont donné, qui pourront aller les accueillir. Et ils vont le recevoir. C'est la copie collée
ce que l'Évangile vient de dire. Peut-être à l'échelle minime, ça nous arrive nous aussi. Et là, Jésus nous dit de prendre conscience de cela. Et il dit que ceux qui sont de la lumière, eh bien, ils se démarquent de toute personne qui agit ainsi. Et donc nous, par notre foi, par notre baptême et par la lumière de l'Esprit Saint, nous nous considérons évidemment comme étant du côté de la lumière. Et donc, nous sommes invités à vivre de l'humilité, de la sincérité, de la vérité pour pouvoir agir et donner l'exemple, être une lumière, être un chemin de sûreté, un chemin de sérénité, un chemin de confiance. Oui, Saint Paul insiste donc sur la prière sincère pour cela, car chacun de nous, on a besoin de l'aide de Dieu pour répondre à cet appel. On a besoin de l'aide de Dieu pour être véritablement une lumière pour les autres. Et donc, il dit, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière-là est bonne. Elle est agréable à Dieu, notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Autrement dit, par la prière des uns des autres, Dieu voudrait que tous les hommes soient véridiques, que tous les hommes soient sincères, que tous les hommes soient vrais en tout temps et en tout lieu. Ainsi, nous parviendrons tous à la pleine connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est Dieu lui-même. La vérité, c'est la tendresse de la fraternité, la tendresse de l'épanouissement. La vérité, c'est le fait de vivre pleinement sans se soucier que nous sommes à côté de la plaque. Avec Jésus, nous ne serons jamais à côté de la plaque. Avec Jésus, nous avancerons toujours directement dans le cœur de Dieu, si nous le voulons. Alors, chers frères et sœurs, vous et moi, sans exception, je ne me mets pas à l'autre côté, hein, vous et moi, ensemble, évidemment, suivons cette vie présente que Jésus nous donne. Le conseil de Jésus, il est important pour nous. Soyons sages, dignes de confiance, et soyons astucieux avec la richesse spirituelle que Dieu nous offre en vue de notre vie éternelle. Et comme le dit donc l'apôtre, partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin et que notre maison soit toujours accueillante. C'est-à-dire que notre cœur dans lequel Dieu a semé son amour, qu'il soit toujours accueillant aux autres. Que la bénédiction de notre Seigneur, par la puissance de l'Esprit Saint, comble la vie de chacun de nous au quotidien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, notre confiance est dans le nom du Seigneur. Notre foi catholique nous permet de vivre cela de manière intense et de manière sereine. Puisque nous sommes rassemblés par la force de cette foi, maintenant, chers frères et sœurs, ensemble, professons-la. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit.
Amen. En ce jour où nous célébrons la résurrection du Seigneur, prions son Père et notre Père éternel pour tous les habitants de la terre. Avec confiance, prions. Hello, Father.
Afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous ce sacrifice en adorant et en gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple. Que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Que Émilienne Pascal et Gisèle Beaumann reçoivent de toi la vie éternelle à travers cette Eucharistie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous vivons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Thank you.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que tu le vois au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre administrateur Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille assemblée devant toi ce soir. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de faim, plus particulièrement pour Émilienne Pascal, pour Gigène Beaumont, tes enfants que tu as rappelés auprès de toi, Seigneur, nous t'en prions. Fais qu'elles trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Voilà, lui, avec une vie enlevée.
Oui, c'est marqué sur la feuille de nonce depuis déjà 2 semaines. Il y avait une erreur dans le Stella Maris. La rentrée paroissiale Saint-Sixte II aura lieu à Carnon et non pas à Pérol, comme indiqué dans le Stella Maris. Est sorti et au fond de l'église, donc vous pouvez vous en procurer. Ben, ce mag contient voilà, tous les services et pratiquement hein, les activités de la paroisse, catéchèse et tout le reste. Vous l'avez au fond de l'église, vous pouvez aussi emporter, voilà, donner à des proches qui n'en ont pas et qui ont certainement besoin d'avoir des renseignements. N'hésitez pas à en prendre comme vous voulez. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions encore le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours celles et ceux qui t'ont nourri de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Thank you.
c'est très rarement. Je suis envoyé un mail. Elle m'a dit à Brock 28. Ouais, ouais. Après, si j'avais envoyé un mail, peut-être qu'elle n'aurait pas. Ouais. Voilà, après, elle m'a dit qu'à Brock, elle ne m'a pas envoyé un mail. Comme ça, c'est juste qu'on m'a dit. Ouais. Après, c'est arrivé. Et après, c'est même venu. C'est arrivé. Oui, bon. Ça va. Carnot demain? Attends, je suis à Carnot, avec Alexis. Après, il est